Avec le tout dernier poulet, je signe la fin de la quête. Mais je sais pas pourquoi je mets ça dedans, parce que maintenant on peut même enlever ça. On n'en a plus besoin. Ça, je vais le déplacer après. Et ça prendra juste la place. C'est marrant. Ça rentre juste dans un crate. Ça, c'est extraordinaire. Alors, maintenant, il faut lui trouver une place. Ça, c'est autre chose. Alors, j'ai déjà commencé à enlever ceux qui ne servent pas à grand-chose ou qui sont déjà tellement remplis. Par exemple, le Void Cristal, j'en ai plus vraiment besoin d'autant. Ça, c'est les émeraudes, ok. Mais les Nori, par exemple, j'en ai... 747 stacks de petites étoiles. 80... Voilà, il n'y en a plus besoin d'autres. Alors, ce qu'on va faire... Je sais pas où il est. Inori. Inori poulet. Inori. Il faut que je le retrouve. C'est ça le problème maintenant. Il est là. Ah bah tiens. Donc on va mettre ça à la place dedans. Demon. Demon? On va pas extraire. Voilà. On a les trois premiers. On va lui mettre... Voilà, le mur ici est complètement plein de lingots. Donc du coup, maintenant... Hop. Voilà. On a de la marge. Donc, nickel. On peut remettre le bignou en place. Et voilà. Et le poulet que j'enlève, je le range dans la cave en dessous. Ici, où je vais mettre aussi l'autre coffre à côté. Comme ça, j'ai remis les choses. Ça décore un peu, cette cave. Faut que je remplace ça, là, par un cache. Et voilà. On peut fermer, après. Faut juste que je déplace le dernier truc. Alors, j'ai pas fait que des poulets. J'ai rajouté des portes, mais pas toutes, encore. Ici, rien n'a changé. Mais dans ma cuisine... Un petit peu. J'ai terminé les différents coins de la cuisine. Et j'aime beaucoup comme ça. J'aime bien. Après, quand tout va être fermé, ça va être terrible. Et j'ai même avancé en bas. J'ai fait les murs. J'ai rajouté le mur de craft. Enfin, j'en ai rajouté deux. 2 × 16. Alors, pour optimiser, il faudrait les mettre en damier. Enfin, bon, comme ça, c'est plus joli. Donc, j'ai laissé comme ça. J'ai fait 4 tours de craft. On va en mettre d'autres autour. Je ne sais pas si ça suffit, ça. Les crafters, là, si 2 × 16, enfin... Parce qu'en fait, ça prend que 8 canaux. Ça ne prend pas de canaux pour les interfaces ou pour le molecular assembleur lui-même. C'est comme on veut. Oui, ça, plutôt ça. Et donc, c'est pas mal. Ça en prend que 8. Donc, on fait l'ensemble comme ça, pour 8 canaux. Je les ai accrochés sur les coins, comme ça, on a l'impression que ça soutient le cube. Ce que je trouve sympa. Que quoi d'autre? Donc là, c'est fait comme ça, ça rejoint autour. Je me suis un petit peu avancé sur l'automation de thermal. J'ai même fait le compacteur qui me fait les gears avec toutes les recettes. J'ai pas encore fini celui-là. J'ai fait le premier des inductions smelters. Je dis le premier parce qu'il y en a qui méritent des, non pas seulement des augmentations pour aller plus vite, mais qui méritent des spécialités. Là, j'ai mis celui qui permet de faire les verres, pour l'instant, peut-être d'autres trucs, je sais pas, on verra après. J'ai fait la sawmill, là, pour les planches, ça fait en même temps de la poudre de comment ça s'appelle, de la sûre. Le pulvériseur, que j'ai upgradé aussi. Les upgrades sont programmés. Il y a vraiment pas mal de recettes, maintenant, qui sont programmées. Et tout ça, là, tout logistique. Tout logistique. Tout apply, et puis voilà, il y a pas mal de trucs. Sont que, je vais en rajouter au fur et à mesure, puis il y a de la place, donc ça c'est bien. Alors pour thermal, en fait, effectivement, on n'a pas besoin d'éjecter en plus. Si on met l'auto-éjecte, il est possible de choisir en sortie, à la fois, de dire que l'arrière est à la fois entrée et sortie. Donc comme ça, il met la recette et le résultat est envoyé dans Apply directement. Ce qui n'est pas possible, j'ai pas réussi à le faire avec mécanisme. Avec mécanisme, on ne peut pas sortir à la fois par où on rentre. Par contre, on peut rentrer l'énergie partout. On n'est pas obligé de choisir une face spécifique.
Voilà. Donc là, pour les enrichissements chamber, je sors au-dessus. Eux, ils sont pas encore upgradés, il faut que je fasse des upgrades. Et pour les autres, je sors en dessous en même temps que je mets l'électricité. Alors que les autres... là aussi, je sors au-dessus. Pourquoi je sors au-dessus? Oui, je sors au-dessus, c'est ça. Et pour les autres, je sors en dessous avec l'électricité. Et je rajoute ici, en plus, le secondaire pour les compressettes, machin. J'ai fait les trois, du coup. Celui qui fait la redstone, le diamant et l'obsidienne compressée. Et toutes les recettes sont dans le premier ici. Alors, je ne sais pas s'il faut les séparer en plusieurs. C'est possible, parce que quand on demande des recettes compliquées, bon, on verra. Dans l'autre, pour l'instant, j'ai mis que le agrandir le flux cristal pour qu'il soit pas au même endroit que le gros cristal qui fait grossir les flux normaux. Voilà. Ça, j'ai rentré toutes les recettes. Ah oui, justement, les gros cristals et tout ça. J'ai mis tous les upgrades dedans. Donc maintenant, ils vont très très vite, tout cela. J'ai mis 5 upgrades à chaque fois. Sauf dans le gros, on peut en mettre que 3. Enfin, il va déjà très vite, donc il n'y a pas de souci. On en est là. Mais alors, il y a un truc pour aller plus loin qui est un peu pénible. C'est que je manque de... De Certus. Or, le Certus, c'est en 6 vents pour l'instant. Mais il y a une graine. Alors, je crois qu'on va faire les graines maintenant. Je crois que c'est le prochain objectif. C'est après les quêtes. D'ailleurs, il y a plein de trucs à prendre. 12 rewards. Ah, oh, bien. Des octadites. Des double layers, ouais. Des octadites aussi. Des upgrades. Basic Store, ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Truc pour échanger des blocs, peut-être. Et l'éternel, d'accord. Puis des... Ouais, ça, c'est bien. Des hoopers, c'est bien. Ok. Et du bon et du mauvais. Donc, je disais... ce qu'il faut faire maintenant, c'est entamer... Il commence à parler, il finit pas ses phrases. Les graines. Je crois qu'il va falloir se mettre à ça. Et puis finir les différentes quêtes pour avoir les derniers rewards. Et la quête des poulets sera complètement terminée. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fifoux et bon retour sur Stone Block 2. Alors, vous ne verrez pas l'épisode que je viens de mettre à la poubelle parce que c'était n'importe nawak, parce que je suis parti des graines et j'ai confondu avec un autre mode, je pensais qu'il fallait les monter à 10, 10, 10, etc. En fait, c'est juste des trucs qu'on craft. Alors, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire des cloches pour les mettre dedans, ça sera plus simple que d'avoir des champs et on gardera un champ juste pour celles qu'on ne peut pas mettre dans les cloches, les Nether Star et compagnie. Parce qu'il faudra faire des champs aussi pour d'autres choses après, plus tard. Donc, ça sert à rien de faire des champs à perpète de vue. Voilà, j'ai testé ça et ça marche très bien. Je pourrais améliorer d'ailleurs avec une autre chose que le bone meal, parce qu'il faut mettre de l'eau, une sorte de bone meal. Et on pourra faire avec celui de thermal, ça multiplie par 2, parce que là, on est à 1,25. En gros, modifié, on peut aller à 2 avec celui de thermal, électrifié, machin, etc. Mais on a tout ce qu'il faut pour le faire, donc à mon avis, ça sera assez simple à faire. Alors, problème, c'est qu'il fallait, pour crafter ça, il me fallait plein de choses. Il me fallait déjà une engineer's, je sais pas comment on prononce, working bench, avec le bon blueprint dedans. J'ai galéré, j'en ai fait avant de comprendre qu'il y avait plusieurs recettes. Évidemment, j'avais pas tout regardé, je me fais avoir à chaque fois. Bon, bref. Et en plus, faut pas mettre le blueprint après avoir mis les ingrédients, sinon ça marche pas. Puis on reste là à tirer sur le truc qui veut pas venir. Mais il fallait également du bois traité, treated wood. Alors, pour ça, je suis allé en bas. Évidemment, je prends le chemin le plus long. J'ai dû faire une nouvelle liaison avec un P2P pour aller ici, au centre de l'énergie. Comme ça, on pourra mettre de la lave dans Apply, ce qui sera bien. Et j'ai mis la première machine, à savoir un redstone furnace avec un upgrade augmente pyrotechnique. Pyrolytique conversion, voilà. J'envoie dedans des blocs de colle que les poulets me font et ça me fait du créosote pour pouvoir faire les treated wood que je renvoie dans le tri directement. Lui, avant qu'il soit plein, ça va, mais ça en fait quand même pas mal. Pourquoi il est vide? Eh ben, je l'envoie dans Apply aussi. Je le récupère, j'ai fait mon premier disque de liquide que j'ai mis là.
Et comme ça, ça fait encore des recettes en plus que j'ai pu mettre là-dedans. Et j'ai fait un terminal liquide, on voit le cryosote. Ça en fait beaucoup, on pourra peut-être faire de l'énergie avec, ainsi que les blocs de cold coke. Non, c'est pas là-dedans, du coup, c'est là. Cold coke. Voilà, ça en est déjà 111. Alors et ça brûle pas mal, ça. Alors, on peut pas faire... cold coke. 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 Cold coke. Voilà, il est là. Dans le Petrified générateur, je pense qu'on pourra faire pas mal d'énergie parce qu'un bloc, ça fait quand même 1600 RF par tick. Je sais pas combien de temps ça brûle. Si, quand même 32 000 ticks. C'est pas mal. Donc ça brûle assez longtemps, le temps d'en faire un autre en fait. Donc ça, c'est pas mal. Alors du coup, j'ai creusé une pièce que j'ai mis là. On la voit sur la map ici dans le coin. Parce que j'aimerais faire la ferme de vache au bout du couloir. Bon, les poulets sont là, il manque encore une porte. J'ai pas encore tout fait, hein. Je creuse des couloirs. Et j'aimerais mettre les cloches ici comme ça. Pour les champs, j'aimerais les mettre ailleurs, à l'étage en montant là-bas. On mettra Botania avec. Ici, il y a un couloir, après je vais le faire retourner derrière. Et puis, j'aimerais mettre la ferme de vache ici, la porte s'ouvre, on a une grande ferme, assez haute de plafond, enfin quelque chose de sympa. Donc, j'aimerais mettre les cloches ici. Donc faudra amener, mais à plat il est pas loin, il passe là, donc c'est bon. Alors j'ai des espèces de pic-lac parce que j'enregistre maintenant avec OBS, et OBS et Minecraft ça fait deux. Donc désolé. Je sais pas si ça se voit sur l'enregistrement, mais moi c'est très pénible. Quand j'enregistre pas, je les ai pas par contre. Je suis bien à 60 fps et tout, il n'y a pas de problème. Donc, j'en étais à faire les graines. Et il va falloir que je m'y prenne donc de manière un peu plus sérieuse. Parce que j'ai tellement galéré. Parce que d'un truc à l'autre, en fait, je suis parti d'une chose. Et puis ça m'a emmené partout, sauf là où j'en étais. J'étais à 45 minutes d'épisode, j'avais pas encore fait une graine. Enfin, que la première. Donc là, on a mis l'inférium. Donc je vais la déplacer dans le nouvel endroit. Et ramener à plaie. Et comme ça, on va pouvoir faire tourner les premières graines qui font l'inférium. Celle-là, j'ai déjà fait ça, l'infusion cristal, donc on va pouvoir traiter, faire le prudential et le faire tourner pour pouvoir faire cette graine-là, et puis celle-là, et puis celle-là, et puis celle-là. Celle-là, normalement, elle fonctionne. Elle fabrique quoi ? Elle fabrique... Non, mais elle fabrique ça, voilà. Alors on l'obtient... Ah, bref, ça marche dans la cloche normalement, puisque le petit marche. Je sais pas, on voit pas les recettes là. On ne voit les recettes que dans l'espèce de la même chose que la cloche, mais dans de Industrial for Going. Donc je vais déplacer mon biniou et essayer de faire quelque chose d'un peu rangé. Oui. Normalement, ça éjecte directement ici. Alors je me demande si j'ai pas intérêt à mettre quand même. Des drawers pour économiser les canaux toujours parce qu'il y en a quand même pas mal des cloches à mettre même si on va pas farmer toutes les graines parce qu'on a déjà les poulets sur pas mal de choses, mais il y a quelques graines les poulets les font pas, donc on sera obligé de les mettre là-dedans ou de faire un champ à la fin pour certaines. Donc j'ai envie d'enlever tout ça et puis je vais me déplacer mon truc et je vais prévoir. Maintenant, je peux les crafter, donc ça ne sera pas un souci. Et on va commencer à faire les graines qu'il faut. Je vais être obligé de faire marcher encore le sieve pour avoir un peu de certus. Voilà, il faudrait ranger tout ça. On n'en aura plus besoin après. Les graines, ce sera fini. Pour l'instant, on va mettre ça. Mais après... Ah, je voudrais mettre le phyto... Comment ça s'appelle, ce truc Fluxed phyto gros. Fluxed... Ça. Ça, c'est en électrisant du riche, machin. Donc, faudrait pouvoir rentrer la recette du col pulvérisé. Ça, on en fait avec les poulets. Et ça aussi. Du nitère. Mieux que de jouer sur la sawdust qu'on n'est pas sûr d'avoir en assez grand nombre. Et en plus, ça en fait beaucoup plus.
Donc, et c'est du charcoal par contre. Alors, on ne fait pas de charcoal, mais on peut en fabriquer. On peut mettre une recette avec un four. Ou alors, le créosote, on peut extraire du bois et ça fera du charcoal. Si je ne m'abuse. Est-ce qu'on n'a pas. On l'a pas avec l'autre. Non, il veut pas. Ça, hein. Ah si, voilà, il est là. Si je mets du bois, voilà, ça fera du charbon et ça fera un peu moins de créosote, mais ça en fera aussi. On peut en mettre un comme ça. Au lieu de mettre des blocs de colle comme je fais, qui font beaucoup de créosote pour l'instant, mais on peut en avoir au moins un qui fait du charcoal en permanence, voire plusieurs. Ouais, moi je trouve que ouais. Ça peut être une bonne idée. Même si c'est pas super rapide, à mon avis, il n'en faut pas non plus 50, ça fait 16 à chaque fois. Donc c'est assez cool. J'ai envie de faire ça. On va prendre du wood. On en a quand même énormément. Donc c'est pas un problème. Et je vais changer la base que j'exporte. Pour l'instant. Oh lui, il est où? Il est là. Je sais pas pourquoi quand on descend avec les élévateurs, on tourne. Et là, je vais exporter du bois. Si j'enlève ça. Ah, mais le deuxième. Troisième. Voilà, on mettra des accélérateurs après. Si, ça va vite même. Alors, il faudrait pas que j'en fasse trop non plus. On pourrait peut-être faire à la demande, ça serait peut-être plus simple. Ouais, mais pour l'instant, j'ai beaucoup de bois, donc on peut laisser tourner un peu. Et je vais mettre une recette pour faire de la poudre de charcoal. Et une recette pour fabriquer le pyro. Et une recette. Voilà, il y a plein de machines. Voilà, on veut faire des graines et on se retrouve à faire des milliards de trucs. Ça recommence. Bah oui, mais autant les faire bien, quoi. moi, je voulais faire des graines au départ. Mais je voudrais mettre la première machine parce que je veux savoir si on rentre sur le côté ou si on rentre devant. C'est important pour moi. Donc, il me faut une graine qui dit que ça. Une graine, une recette qui dit que ça donne ça. Et on va mettre ça dans le pulvériseur. C'est-à-dire là-dedans. Stunks donne ça. Alors le problème, c'est que ça va me mobiliser mon truc. Bon, pour l'instant, on va le mettre là, mais à mon avis, il va très vite. Il est où le pulvériseur? Il est là. Parce qu'il y a quand même tout ça à faire, donc il faudra sûrement le mettre à part, mais enfin pour l'instant on va le mettre là. Et on va faire la recette de ça. Ah. En mode craft. Voilà. On va mettre ça là pour l'instant. Et on va dire, on va besoin d'un énergétique infuseur, parce que c'est bien là-dedans que ça se fait. Il n'y a pas d'upgrade spécifique à faire pour le charger. Ok. Donc je vais en faire un autre. Énergétique infuseur. Alors qu'est-ce qu'on a comme a? Énergétique infuseur spécialisation, halo recharge, non. Halo damage, non. Halo fort rapide voyage, non. Bon, en fait, on n'a aucun upgrade à mettre. Hein. On va juste le passer au tiers supérieur. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut mettre des. Ouais, pour que ça aille plus vite, peut-être, je sais pas. Je sais pas si on peut les mettre dedans. Will no longer recharge item. Ah bon, d'accord. No longer accept process or recharge it. D'accord, ok. Mais ça, de toute façon, c'est des upgrades dont on n'a pas besoin. Ok. Les ai automatisés, mais le temps de les rechercher, ça ira plus vite de faire comme ça. Et voilà. Pourquoi j'en ai un de plus? Allez comprendre, Charles. Il y en a peut-être en plus dans le tri. On va mettre ça là-haut. C'est pas l'endroit idéal, mais enfin bon. On va dire que c'est bien comme ça. Donc on va le mettre comme celui-là. Lui dire que la sortie et entrée sont derrière.
en faisant... Ah, j'étais dessus. Voilà, en faisant tourner un peu, ça marche très bien. Une fois un petit cap pour mettre au-dessus, je ne sais pas s'il en reste. Pourquoi j'ai un redstone furnace sur moi du coup? Il me faut une interface. Et il me faut un conduit électrique. Il en reste conduit. Il en reste un. Oh bah dis donc. On va en faire d'autres. Parfait. Ça me paraît bien. Et on va commander un upgrade. Et je suis pas sûr qu'on puisse mettre des upgrades pour que ça aille plus vite. Je suis pas sûr que ça fonctionne, quoi. C'est pas limité normalement les upgrades de rapidité. Donc a priori. Next. Ah, il manque de la stone. De la stone. Ok. Ça c'est bon. Et on a dit, parce que seul, ils sont où les upgrades? Là. Machine, processing, speed. A priori, ça marche peut-être. Attestationné. Bon, ça n'a pas l'air de l'enquiquiner. Ça va peut-être plus vite pour charger. Et donc, on va lui dire. Enfin, faut déjà en faire un. Ça, c'était la recette. Ok. Donc, riche phyto. Est-ce qu'on le voit là-dedans? Si je fais thermal. Riche phyto. Il va en faire 16. De toute façon, il ne peut pas en faire moins. Voilà. C'est instantané. Merci les poulets. On va en charger un. On va peut-être le faire dans celui-là pour être sûr qu'il s'en va pas. Ah, il veut pas? Ah non, c'est le compacteur. Attends, mais si, j'ai pas encore mis l'interface, donc c'est bon. Yonk. Ah oui, en plus ça va super vite comme ça. Ouais, c'est bien. On va juste lui dire. Un riche fisto. Phyto, donne ça. Et mon interface, elle vient. Elle est faite depuis longtemps. Ok. Allez, boum. Kaboum. Voilà. Et la recette dedans. Parfait. Je voudrais savoir si ça va plus vite ou moins vite. Pas celui-là. Ah oui, j'ai bien fait de mettre les upgrades. Ok, ça marche avec les upgrades standards. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc on commence à être bien. Maintenant, il faut que je fasse la ligne. Le problème, c'est que je vais manquer de Certus pour la faire. Mais il y en a qui vient là. Faut que je commande des câbles. D'apply, on va faire un P2P ou quoi? P2P, P2P. P2P, ouais, peut-être assez, remarque. Non, non, il n'y aura pas assez. Parce que je veux pas mélanger les couleurs. Ça pour allonger un peu l'autre. Il va falloir encore des câbles, des gros et des petits. Des petits, il reste? Non, non plus. Allez, t'as qu'à m'en faire 30. On peut? Ouais. Start! Et puis il faudra des petits comme. Non, pas black. Mais comme ça. On va donc faire un nouveau P2P. Ça. Un petit câble. Touc! On va l'enregistrer. New device configuration. Et on va mettre le rose directement dessus. De l'autre côté, on va juste rallonger un peu celui-là, le principal, qui part en P2P blanc là, et qui va partir en P2P. Alors on va le faire passer en dessous. Comment je peux faire?
Je veux qu'on puisse marcher sur ce couloir. On va faire un truc comme ça. Et on va mettre le petit câble ici, le P2P comme ça. Charger la configuration et partir en rose. Jusqu'à là pour l'instant. Tout ça pour monter. Et j'ai oublié mon modèle. Ici, je voudrais voir si je peux insérer le phyto machin. Il faudra mettre une carte de crafting parce qu'il faudra qu'il le craft. Donc, testons. Donc, il le met là. Flûte, c'est une sortie. Non, il en a mis deux. J'en avais qu'un, moi. Trois, voilà. Alors, quand lui va être fini, pour l'instant, il en modifiera un. Mais après, quand il va recharger l'eau, il va prendre un Fluxed. Et normalement, on devrait arriver à grosse modifier 2. Alors, j'ai essayé différents fertiliseurs. Enfin, j'en ai essayé qu'un, en fait. J'ai essayé Random Thing. Voilà, celui-là. Hatchery, j'ai pas testé encore. Pourrait peut-être tester, voir si ça fonctionne. Mais ça bloquait et j'ai pas l'impression qu'ils le prennent. Je crois que c'est très limité ce qu'il peut prendre comme... il faut qu'il prenne un truc qui va avec. Voilà, grosse modifier 2. Ça, c'est bien. Par contre, on ne va pas mettre un export bus à chaque fois. Je me demande même si ce n'est pas une bêtise. Je devrais plutôt mettre une interface, une case en dessous, lui dire que je veux toujours 64 Fluxed, et après extraire avec des tuyaux Enderio. Je pense que ce serait mieux. C'est-à-dire enlever ça, récupérer ça, et même celui en dessous. Mettre l'interface ici. J'aurais bien récupéré mes câbles parce que ça coûte cher pour l'instant. Voilà, merci. De toute façon, on ne mettra pas tout à fait là, quoique là, c'est pas embêtant du coup. Mais si, mais je voudrais aller après pour mettre un storage bus sous le contrôleur que je vais mettre au milieu. Puis il faudra mettre de la lumière là-haut. Ici, je mets... Ah oui, j'ai oublié de dire, dans l'interface... Crafting option. Tu me conserves toujours. Je ne sais plus comment on fait comme ça. Voilà. Il est fait. Parfait. Comme ça, je peux extraire. On va quand même le remplir parce que ça ne sert à rien de se balader avec ça. Extract always active. Et on rentre là-dedans, mais pas dans l'autre. Descends. Pas là. Et là, insert. Comme ça, il y aura toujours un stack en stock qui pourra extraire de là. Parfait, ça. Je rallonge le truc et là, je mets un storage bus après. Donc maintenant, je vais faire d'autres cloches, d'autres graines et puis on va voir si on peut aligner tout ça. Peut-être qu'après, parce qu'ici, je peux mettre du coup un cache et je crois que ça reprend la forme. Donc il y aura juste un petit tuyau Enderio. On peut peut-être faire pareil après pour l'eau. Pour l'instant, j'ai pas encore de tuyau pour l'eau, mais bon, c'est pas grave, on va en faire après. Et ça va assez vite. Très bien. Sans compter que le piège à mob que j'ai éteint pour l'instant, il va nous en donner du machin vert là. Donc, de l'inférium. Ah oui, mais je suis bête. La tier 2, elle fait pas directement du prudentium. Elle fait aussi... D'accord, ok, j'ai compris. Donc, la tier 1, on va l'enlever. On va mettre ça là. Et c'est d'autres graines qu'il faut mettre après. Donc, on a intérêt à monter. En tier 6, elle fait donc 6. Bah oui, c'est logique. Bon, celle-là, elle ne pousse qu'avec sur la terre. Un dragon aussi. Mais on n'a pas besoin de les faire. Celle-là, peut-être la neutronium. Je ne sais pas à quoi ça sert, le neutronium, mais ça a l'air bien. Ça a l'air de vibrer en tous les sens. Ça, je pense qu'il va falloir le faire. Et en plus, quand en faire beaucoup. Tier 6, infernium crop. D'accord.
Alors après, il faut commencer les autres graines. Ça, c'est celles qui servent à crafter, en fait. Celle de base, celle tirin. D'accord, on les plante pas, celles-là. On a quand même un truc qui va nous manquer très vite, c'est les Prosperity Shards, parce qu'elles ne se font qu'en civant, ou alors avec les minerais qu'on peut obtenir après. Non, ça sert à rien. Avec les lasers, avec une lentille bleue. Les lasers de foregoing. Ou alors avec... Et où? On prend un autre. Avec les, voilà, les Void or mineurs, etc. Environmental Tech. Du coup, bah, ça va pas bien vite. Donc, faut civer du sable. Et plus de la dust. Bon, bah, sinon, on va jamais y arriver. Bah, moi qui voulais éviter le sieve, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir l'éviter très longtemps. Bon, ça va être plus long que je croyais, mais rien ne nous empêche de commencer les sites de tier 1. Par exemple, celles qui font la stone, ça serait bien pratique de ne pas avoir à chaque fois... donc on aurait juste à crafter la stone au lieu de la faire cuire, c'est plus long, etc. Là, on aura juste à demander, tiens, je veux 2 stacks de stone et ça viendra. Donc ça, c'est très bien. On va mettre uniquement... On n'a pas besoin de les jeter, que ça reste en prise et que ça s'arrête quand c'est plein. Enfin là, avant que ça soit plein. Il va y avoir un moment quand même, je pense. Hein? Bon, bah j'ai plus qu'à continuer tranquille. Ah oui, au fait, j'ai fini par comprendre à quoi servait ce pattern encoder de stuff. En fait, c'est parce que ça rajoute le ME Fluid Assembler. On peut faire les recettes dedans. Ça, ça marche dedans. Donc j'ai pu faire la recette du... Donc ça évite d'avoir à crafter un bucket. Donc on met directement la recette et il va chercher dans les liquides qui sont disponibles. Nickel, rien à dire. Tiens, vous faites le charcoal depuis, là. Il avance. Ouais, doucement mais sûrement. Parfait. Et on a encore du pulvériseur, on en avait en stock de toute façon. Mais ça en fait tellement que c'est bien. Bon, j'ai fait la graine de nature et de dirt. Le wood, je vais faire l'impasse parce qu'on en a absolument pas besoin. Pour rien de particulier, si ce n'est après créer les logs. On a déjà les poulets, on a déjà des bonsaïs, on a tout ce qu'il faut. Par contre, l'eau, même si on ne fait pas de l'eau avec, ça sert après dans l'extreme crafting, pour fabriquer l'ultimate, la soupe ultime. Effectivement, si on met un gâteau, du blé, oh là, une pile de nœuds de tronc et tout le bazar, c'est vraiment ultime comme soupe. Hein. Ouais, ça c'est clair, hein. Donc celle-là, faut la faire. Donc c'est pour ça que je viens de faire 4 sauts. Et c'est tier 1 aussi, hein. Ouais. Alors, Basmist. Donc. Jusqu'à là, le tier 1, ça va. Elle est où? Pourquoi il me recrave des trucs comme ça à chaque fois? Sérieux? Tu m'étonnes qu'il en use. Il va falloir faire très vite celui qui s'use pas là et changer les recettes parce que ça va être pénible. Et hop. On va mettre le cap qui va bien. Insert. Et moi je dis que c'est sympa. Ça va être sympa au final. Bon, bien sûr, la pièce, je vais l'agrandir d'autant. Quand je vais arriver à... Je sais pas combien c'est de largeur. Faut que je regarde dans le fichier de config, en fait. Puis il faudra mettre de la lumière d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, j'ai envie de mettre une torche. Pour éviter de me retrouver face à des zombies et des squelettes. Et puis on verra plus tard. Dans un reward, on a gagné des Insanium. Alors, chaque fois que je démarre le jeu, il me met des trucs là-dedans qui n'ont rien à faire là. Je peux en dire qu'il met un temps à trouver le réseau. Du coup, il me balance tout n'importe où. Alors, faudrait extraire. Mais si j'extrais, ça va tourner en boucle. C'est pas terrible. Et les Insaniums, théoriquement, on peut les transformer. Voilà, si j'en... Ne serait-ce qu'une. Du coup, je pourrais me faire le cristal qui va bien. Voilà. En plus, c'était une quête. Formidable. Bah oui, il fallait faire les deux, de toute façon. Non, on n'a pas gagné d'insanium.
qu'est-ce qu'il m'a donné d'autre? Ça, c'est bien. Ok, donc maintenant, il faut que je refasse toutes mes recettes à base de ça. Elles sont où? Elles sont là. C'est-à-dire, c'est les graines, en fait. Non, c'est lesquelles? Non, c'est celles-là aussi. Ok, et les graines? Non, c'est juste les ça qu'il faut refaire. Bon, j'ai dû faire juste un glacial précipitateur juste pour avoir les 4 morceaux de glace pour avoir la graine qui me donnera autant de glace que je veux. Peut-être les ramasser aussi. Voilà. Obligatoire. Obligatoire. Boum. Quoi? Pourquoi il n'y en a que 3? 4? Il n'était pas fini. 1. Et la graine. Touk. Et il fabrique plus rien maintenant, c'est super. Elle est où? Elle est là. Comme il y a énormément de graines qui nous servent à rien, il faut que je fasse la graine de l'End. Celle-là, elle est pas mal parce qu'elle permettra de faire les machins violets. Ah, j'avais peur que ça marche pas avec les fruits. Sans fruits, je veux dire, que ça marche avec les fruits. Je sais plus où je suis. Au secours! C'est par là. J'ai envie de... Mais les fruits, normalement, on peut les planter. Mais alors, s'il n'y a pas de ciel au-dessus, on va se mettre là où c'est grand. Et on va enlever ça. Ah, voilà. Comme ça, j'aurai les autres. On plante les flowers et ça me fera des fruits. Et les fruits, je dois pouvoir les mettre dans un bonsaï. Bonsaï ! Voilà. Qu'elle laisse pousser. 20 dieux, ça marche, mais ça marche trop vite. Bon, on va le mettre là pour l'instant. Je le mettrai après dans la salle des bonsaï. Oh, ça poussifie doucement. Donc, j'ai plus intérêt à en planter plus. Ce qu'il faut faire... on va pas l'avoir, la N graine, là. Si, elle est là. Non, pas N style, ça. Il faut faire ça. Donc, il faut faire des fleurs. Et les fleurs, c'est en cuisant. Donc, s'il en faut 4 x 2, 8. X 4. 4 x 8, 32. Ah non, ça en fait 4. Ok, donc il en faut que 4. Oh, bah ça va aller. Et... Endstone. Ça devrait poussifier, normalement. Flûte. Ah bah, j'ai oublié l'électricité. Un détail. Hop. Faut bien de l'endstone là-dessous, hein. Pas sûr. Faudrait de la dirt. Mais si, ça marche. Avec de la dirt. Ok. Non, ça bouge pas vite, par contre. Si, ça a l'air de l'air. Deux. Ok. Ah bah celui-là, je l'ai pas... C'est bon. Et hop. Alors, j'ai regardé dans le fichier de config, c'est 12 de large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai déjà 10. 11, 12. Il faut que je pousse le mur, je mets un contrôleur, et du coup, on peut en faire 24. Cela dit, je vais pas toutes les faire. Alors, je sais pas comment... Peut-être qu'après, je vais repousser un peu tout différemment. C'est possible. Alors, je suis en train de faire une faute 2. Prudentium. Ok. 2 orange. Intermédium. Boum. Ah, il n'y a pas de quête là. Pourquoi il n'y a pas de quête? Ah, parce qu'il fallait d'abord l'intermédium dans l'inventaire. Oh. Ouais. Ensuite, le bleu. 2. Tac. Tac, tac. Tac, tac. Et évidemment, j'ai oublié de le mettre dans l'inventaire.
Bon, il n'a pas l'air de l'avoir pris. Ah, si, ça y est. Ok. Là, on va remettre ça dedans. On va demander la rouge. 2. Ça va être long, ça. On y est presque. Boum. Alors, je le mets là. Toulou. Ouais, faut sortir en plus. Et le lingot. Alors, par contre, est-ce que je peux faire. Il y a un autre lingot après? Non, après, c'est le solarium. Ok, alors ça fait quoi ça? On en a déjà un? On pourra se faire une armure. Ouais! Si, il y a l'insanium après. Bah, l'insanium, normalement, il devrait l'accepter si je le mets là. Voilà, même si on l'avait gagné. Et ça aussi. Alors, ça, on peut le ranger. Génial. Bon, ça. Ouf, on a fait tout ça. Après, il y a les super fours. Là, ils sont géniaux, ces fours. Mais bon, ils coûtent cher. Intermédiaire-essence. Bon, on l'a déjà fait, ça. Ah oui, tout ça, c'est vrai que okay, c'est fait. Tire un, si, tire un. Ok, bah ça, il y a juste à les crafter. En plus, on va en avoir besoin. C'est dommage, j'aurais dû les mettre dans l'inventaire. Parce que maintenant, je vais en avoir qui vont rester pour rien. Non, dans l'inventaire, on t'a dit. Voilà. Ensuite, la tire 2. Voilà, normalement, je peux pas aller plus loin. Mais par contre, ça nous fait plein de cadeaux. Boum! Est-ce qu'on a des trucs intéressants? Ça, c'est intéressant. Ça va toujours. Bon, ça, on s'en fout. Ça, on a déjà un. Ça aussi. Un basique. Ça, c'est des gadgets pour construire. Ah, bah tiens, on a deux cloches. Ah, bah ça alors. Mais bon. Why not? Ok, c'est pas si mal. Ça, on va jeter. Mechanical Crafter. Je sais pas quoi ça peut nous servir, mais on va le garder. Builder, un de plus. Cobblestone générateur, on va dire un de plus. Ça, c'est bien. Et ça servira pour le craft de la grosse batterie. Gadget. Je suis pas très gadget. Oh, il n'y a plus de place. Et le reste, on jette. Ça, on jette. Ça, on jette. Ça, c'est des trucs pour faire spawner, mais j'en ai tellement déjà. Mon Dieu. Hop. Voilà, bon bah ça avance et j'ai gagné deux trucs comme ça. Ah, il y a encore ça. Ah, il y a déjà ces 16. Oh là là. On va le mettre là. Ok. Bon, je vais continuer encore les graines parce qu'après l'end, qu'est-ce qu'il y a? Faut regarder tout. Expérience seed, ça fait quoi? Ça fait juste des petites graines comme ça. Il n'y a pas d'autres utilités. Je pense que celle-là, je vais la sauter. Diamants, elles rentrent pas dans des recettes et des diamants, on en a assez. Émeraude, ça rentre pas dans des recettes non plus. Et voilà. Zombie, c'est juste pour faire de la viande pourrie, j'imagine. On peut faire des têtes, mais on va en avoir avec le piège. Donc, à mon avis, ça n'a pas d'intérêt. Pig, ça permet de faire des raw pork chop. Ça, éventuellement, parce qu'après, on a plein de. Voilà, extreme crafting, on en a besoin. Donc éventuellement, ouais, on va faire celle-là. Ah, mais il faut tuer des cochons d'abord. Enfin, du moins, il faut faire des. Alors voilà, ça c'est la prochaine étape. Je vais faire les graines que je peux faire et il va falloir faire un piège. Alors, il va falloir faire du solarium et faire un piège où on va tuer à la main. Parce que je vois pas comment on peut faire autrement. Ou avec un mechanical crafter, avec un mechanical user en lui donnant l'épée pour qu'il le. Mais je pense pas que ça va marcher. Je pense que le meilleur moyen, bah, c'est de farmer à la main pour avoir des petits machins. C'est ce que j'avais fait, je pense me souvenir, sur Sky Factory 3. Voilà, il va falloir faire du solarium et on pourra faire une épée. Avec des. Oh, des mystical rod carrément. Ok. Bon, bah, il va falloir faire un piège à mob pour pouvoir farmer ça. Je continue ma petite, le début de ma ferme là. Je vais la relier au tri. Comme ça, j'aurai.
tout l'inférium qui va être relié. Et il faut que je relie aussi le piège à mob qui est toujours pas relié, parce qu'il y a de l'inférium qui tombe dedans aussi. Donc du coup, je vais enlever le coffre puis le relier à celui-là. Il y a déjà 2000 là-dedans. Ça va, c'est vite, hein. C'est pas si mal. Bon, et là, on a... les autres, c'est moins rapide, évidemment, mais ils ont été faits... Celle-là, elle est déjà en tier, je sais plus combien, tier 3, mais je vais pouvoir l'augmenter, du coup. Très bien, parfait. Bon, c'est bien. Quand elle va être en tier 6, ça va dépoter grave. Bon, bah on va se retrouver au prochain épisode. C'est un peu décousu, mais en fait, j'arrive pas à faire autrement. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs à faire en même temps, puis un truc qu'on appelle un autre. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt.